Yes, salut à tous, c'est YouTubeur 38 avec mon frère Lucas. Et nous sommes sur Minecraft. Nous jouons à deux, bien évidemment. Non, pas en ligne, nous jouons à deux, c'est tout. Nous sommes sur Minecraft. Donc voilà mon château que j'ai construit tout seul. Bon, j'ai mis peut-être 2 jours à le faire. Parce que hein, j'ai dû rajouter des choses, puis à l'intérieur. Et moi, je suis habillé comme ça. Avec une épée. Moi, je ne vois pas. Et Lucas. Enfin, oui, mon frère, Lucas. Il est dans la tour en surveillant. Et il est habillé comme moi, bien sûr. Sauf que moi, c'est amélioré au niveau 30. Et moi? Et Lucas, bah, ce n'est pas amélioré parce que vu que c'est le chef, il est dans la tour. Donc voilà. Donc, je vais vous faire quand même une petite présentation. De mon château, hein, quand même. On va vous faire une présentation. Alors, bon, il y a beaucoup de villageois, hein, où il y a eu des zombies qui les ont bouffés. J'en remettrai s'il y en a plus. Ah ouais, non, ils sont tous en haut. Ils sont tous au deuxième étage. Oula, j'ai un peu. J'ai bougé la caméra. Voilà. Donc voilà, c'est très simple. Je vais vous expliquer pour améliorer. Donc vous mettez des blocs de bibliothèque, vous les mettez, vous en mettez, attendez, 1, 2, 3, 4, vous en mettez 5 tout autour, et au milieu vous mettez une table d'échangement au milieu, et puis ça vous fait... bon, moi j'ai déjà amélioré, donc je vais vous faire un exemple avec. Je sais pas si ça va marcher, non, ça marche pas. Donc je sais pas avec quoi je vais vous. Bon, on va remettre. On va remettre ça, on va faire ça. Et hop, regardez, vous avez niveau 4, niveau 30 et niveau 22. Moi je l'ai fait au niveau. 30. Vous voyez? Voilà. 32, moi j'ai déjà amélioré, donc voilà, ça fait pas. Je vais mettre, voilà, niveau 30, et voilà. Donc voilà, c'est très simple à faire. Hein. Donc là, c'est ma bibliothèque. Ici, c'est une prison. Un voleur s'est échappé. Quand j'ai joué en ligne, voilà, on a fait. J'ai chopé quelqu'un. Enfin, bref. Là, c'est les lits. On peut pas dormir. On peut pas dormir parce que voilà. Parce que c'est pas la nuit. Ouais, c'est pas la nuit. Donc ici vous avez les lits, la prison, le deuxième étage. Et donc ici. Et il y a les drapeaux de France. Le deuxième étage. Les où il y a beaucoup de tentatives de suicide. Il y a des villageois qui veulent se suicider. Ah, je vous jure, c'est comme ça. Après. En plus, on a vu. Donc voilà le petit restaurant. Donc j'ai mis une table et une plaque de détection là-dessus. Voilà. Donc, ici vous avez pour prendre des gâteaux. Bonjour, un gâteau s'il vous plaît. Bah tiens, on va mettre un villageois, tiens. Si je peux encore en mettre. Ouais. Normalement il n'y a pas de raison. Hein. Ah bah tiens, il y a une place. Il y avait une place, donc on va mettre un villageois. Ouais bah tiens, on peut. Ah bah, c'est fantastique. Eh ben, c'est fantastique. Bah, tiens, on va remettre. Ah bah non. Voilà, c'était le seul que je pouvais mettre. Tu vois, je peux plus en mettre. Regardez. Gâteau 5 euros. Putain. En menu 10 euros. Eh ben c'est cher, hein. Ah je vois. Ah, c'est des petits prix. Bon. Pas trop ça. Voilà. Je vais vous montrer devant l'entrée. Je sais pas si vous avez vu les panneaux. C'est devant l'entrée. Ouais, je sais, je vous prends la tête. Je parle beaucoup. Alors, ici vous avez 200 personnes max. Enfin, maximum. Alors, entrée gratuite pour les moins de 6 ans. Tarif 14 euros la journée. Tarif nuit 20 euros pour la nuit. Donc en gros, 20 euros pour dormir dans l'hôtel, quoi. Donc il n'y en a que 4 qui peuvent dormir dans l'hôtel. Peut-être pas dormir, mais bon, restez, vous voyez. Bon, vous voyez, il y a une vache. Donc elle n'a pas le droit d'être là. Ah, j'ai même pas vu. Bonjour. Pardon, c'est moi. J'ai pas fait exprès.
Je voulais pas vous tuer. Donc vous voyez, dans l'écran de mon frère, c'est-à-dire en bas, il surveille l'entrée de la base. C'est-à-dire où je suis là. Là, vous voyez un mec sauter comme un taré. Là, vous voyez un mec qui tape de partout. Vous voyez? Hop, puis il surveille là où il y a le tapis rouge. Il surveille, puis s'il y a un zombie ou un monstre qui non, veut, non. qui essaye de rentrer, non, il m'appelle et je le tue avec l'épée de James. Donc depuis tout à l'heure on fait ça. Donc voilà, ici vous avez pour partir dans le laser. Tu veux essayer? On voit bien qu'il y a une vache qui veut y aller. Ah, la vache elle veut pas y aller. Donc ici vous avez une caserne de pompiers. C'est beau. Magnifique, hein, magnifique, j'adore. C'est moi qui l'ai fait hier, j'ai mis 2 secondes à le faire. Et moi, j'ai pas. Il y a une vache à l'intérieur. Danger mortel. Voilà. Voilà. Petit machin. La base. Et là, vous avez une petite piscine que j'ai ratée, malheureusement. Que je referai demain ou après. Et puis aujourd'hui c'est Halloween, donc je vais faire Halloween avec mon frère. Enfin, et on va s'écarter un petit boum boum. Alors, c'est écrit Cityland vous souhaite la bienvenue chez nous. Avec des points d'exclamation. Pourquoi il dit pas que c'est Halloween? Je viens de lire. Alors ici, nous avons des lits. Voilà. Oh, c'est un labyrinthe, hein, moi je peux vous lire. Des lits. Ici, vous avez une salle vide. C'est ma chambre. Non, ta chambre, elle est là. Voilà la chambre de mon frère qu'il a fabriquée. Avec la tête. Avec la tête de Steve. Encore une salle. Ah non, j'allais dire une salle vide. Donc, ici, vous avez encore une chambre. Ici, vous avez. Encore des chambres. Ouais, il y en a beaucoup des chambres. Ouais, il y en a beaucoup. Que si on joue en ligne, par exemple, faudra faire beaucoup de lits. Et ici, vous avez le laboratoire. Voilà, j'ai cherché le mot. Un laboratoire. Est-ce qu'on vient de passer là? Non. Oulala, oulala. Je préfère pas la tuer, ça met trop de temps. Donc voilà, vous avez une salle de zombies. Pas une femme, tiens, je vais vous montrer quelque chose. J'espère que ça va vous plaire. C'est un vrai labyrinthe ici, je connais rien. J'essaie toutes les portes. Hein. C'est pas là par exemple, non. C'est là. Nous allons la sortir. Allez, sort. Nous allons aller là. Si c'est bien là. Non, ce n'est pas là. Donc c'est ici. Je vais vous présenter on s'en fout du zombie. C'est pas chez nous, c'est chez Louis. Enfin, je vais la casser sa maison parce que je lui parle plus. Depuis longtemps d'ailleurs, je me suis battu. Bon, enfin bref, on va pas parler de ça. Alors, vous avez ici le restaurant. À chercher le mot. Vous avez le restaurant de l'autre bail. Vous avez le restaurant ici. Le restaurant où c'est écrit 10 euros le menu du jour. Un peu normal quand même, c'est un restaurant 5 étoiles. On dirait pas trop un restaurant 5 étoiles. Voilà le petit restaurant avec des gâteaux par terre. Ah, les gens, c'est mal poli de mettre les gâteaux par terre. Hein. C'est comme les faire voler par magie, c'est interdit. Hein. Non, pourtant on les retient. Mais il tient. Ouais, faut pas aller vite, moi. Bon, j'entends un zombie qui est en train de niquer une porte. Je sais pas. Mais bon, on s'en fout parce que c'est pas chez nous. Le drapeau d'Italie. Vous avez là. Ça vient de dire ça. Ils sont forts, l'Italie. Le drapeau d'Italie. Donc écoutez bien les amis, dans les commentaires, mettez-moi lequel est le meilleur en décoration. Celui-là, c'est château un peu bizarre. Celui-là, là,
Attends, voilà, j'ai enlevé ma main. Celui-là, là, ou vous choisissez. Vous choisissez. Celui-là, le grand château fort. Ou vous choisissez celui-là, de la France. Donc vous mettez Italie, si c'est celui-là que vous aimez. Ou vous mettez France, si c'est celui-là que vous aimez. Bon, mettez pas le pays que vous préférez, hein. La décoration, je parle. Hein. Donc voilà. Bon bah les gars. Ah, ce zombie. Je me dis, mais qui c'est? Qui c'est qui emmerde les villageois là? Et il en a tué deux? Ça se voit parce que j'en ai mis deux. Donc voilà, ce sera la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Un joli petit doigt. Un joli petit doigt bleu. Laissez-le pas en gris, hein, ça se fait pas. Lucas? Lucas, tu me vois? Ouais. Lucas. Oh, Lucas, je te tape. Hein. Salut? Ah, je t'ai tapé. Salut? Je t'ai tapé. Salut? Ça va? Ça va? Oui, toi? Non, ça va pas. Ah, je t'ai tapé? Toi, tu veux me taper? Bah, t'as pas le droit de me taper. Comment pour bouger la tête? Bon, enfin bref, bon, Lucas, ça fait ça fait pas longtemps qu'il vient de commencer de jouer à Minecraft. Moi, ça fait 2 ans, même plus. Depuis que Minecraft ça existe en fait. Je l'ai acheté dès que ça existait en fait. Nous, j'avais des riz là. J'avais des riz là, regarde. Regarde, nous, j'ai vendu du château. Ah, tu vois mon château, moi. Bon bah les gars, ce sera la fin. Allez. A plus tout le monde. Hein, et abonnez-vous, hein, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Et regardez beaucoup, beaucoup ma vidéo. Beaucoup de fois ma vidéo. Je vous en supplie. Allez. A plus. Ciao.